Et bonjour à tous les amis, ici Makasu. Je vais vous présenter une nouvelle vidéo qui sera sur une nouvelle porte. Enfin, ce n'est pas moi qui l'a inventée, mais je voulais vous la faire partager. Et bon, bien sûr, j'ai compacté à ma façon. Donc, vous venez de voir l'exemple, donc on va le refaire pour bien voir. Donc, voilà, là on peut passer tranquillement lorsqu'il n'y a pas les lasers. Et lorsqu'il y a les lasers, voilà, on se reçoit des potions et tout. Donc, bon, je vais boire un seau de lait pour enlever les effets de la potion. Donc, pour construire ce système, vous aurez besoin de blocs, de 27 poutres de redstone, de 4 blocs de redstone, 4 torches, 4 répéteurs, 4 pistons collants, attention, 4 dispensers. Enfin, vous prendrez des potions de dégâts, de poison, enfin, comme vous voulez. Un bouton, enfin, en pierre ou en bois, ce n'a pas d'importance. 10 escaliers, 2 beacons, enfin, c'est un peu cher en ressources quand même, 2 withers à tuer. 3 demi-dalles, je veux dire. 12 blocs de fer, 2 tapis, bon, rouge comme vous voulez, n'importe quelle couleur. Au moins 2 tapis, ça fera l'affaire. 2 blocs de verre rouge, enfin coloré en rouge. Ça sera pour colorer les lasers du beacon. Et ensuite, 2 blocs de verre blanc et 2 fils. Donc, pour faire ce système, normalement, vous devriez faire un couloir de 6 de blocs de longueur ici, de 3 blocs de longueur ici et de 2 blocs de longueur ici. À ces endroits précis, vous cassez les blocs ici, enfin en gros, vous comptez 2 ici et vous cassez. Et du coup, voilà, vous cassez ici, 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 voilà, comme ceci. Ensuite, il faudra placer des tapis ici, comme ceci. Bien sûr, je prends les blocs. Ensuite, vous prenez les blocs de verre, placez ici les blocs rouges et les blocs blancs ici. Ensuite, vous allez en dessous des blocs rouges. Ensuite, vous allez mettre les beacons comme ceci. Bon, bien sûr, faut prendre les blocs de fer pour faire les petites tours là. Donc voilà, faites-en une petite, hein. Donc pas besoin de faire des choses ici, des trucs comme ça. Voilà, normalement ils sont censés s'allumer après. Et là, c'est censé faire des rayons rouges. Si vous allez prendre les fils, vous allez les placer. Bon, attendez, vous mettez un bloc ici. Ensuite, vous placez les fils ici. Donc, c'est voilà, le bloc. Ensuite, vous placez les pistons dans les trous. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous placez des blocs de redstone au bout des pistons. Ensuite, vous mettez un bloc ici avec une poudre de redstone. Donc, vous montez le circuit avec les torches. Prenez le bouton là, comme ça. Donc les torches, voilà. On monte le circuit. Ensuite, vous comptez de deux blocs comme ceci. Ensuite, vous mettez un piston, un bloc de redstone. Vous faites ça et vous faites ça pareil ici. Hop. Torche et 2 blocs de longueur. On va les placer ici, attention. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, donc ici, vous avez placé poudre de redstone avec un bloc également ici. Et vous prenez aussi votre bouton. On va le mettre ici. Voilà.
avec une torche de redstone. Donc si vous faites pareil de l'autre côté, voilà, placez la redstone. Comme ça. Ensuite, donc pour la torche, vous faites un bloc avec, enfin vous mettez un bloc avec de la redstone dessus, une torche. N'arrive pas à bien placer les blocs. Voilà. Ensuite, ici, vous mettez un piston collant avec un bloc. Pareil ici. Avec un répéteur cette fois. Bien sûr, j'ai mal placé mon circuit, je m'excuse. Je me suis trompé, il faut mettre la torche ici, voilà. Je me suis trompé. Donc voilà. Ensuite, vous mettez. Bon, enfin, vous suivez le circuit. Ensuite, vous mettez le piston avec le bloc au-dessus. Ensuite, vous mettez un répéteur. Donc, finalement, on va les enlever pour l'instant. Débloquer le tapis. Donc, vous mettez la redstone et ensuite, vous mettez les tapis. Comme ceci. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, vous mettez un bloc avec un répéteur en suivant le circuit. Évidemment, vous allez monter le circuit comme ceci. Donc, vous prenez vos demi-dalles. Montez le circuit. Voilà. Une autre demi-dalle ici. Ensuite, ici, vous poursuivez le circuit. Ensuite, au-dessus de la torche, vous mettez un répéteur avec un bloc. Ensuite, vous suivez le courant, voilà, avec un bloc et tout. Comme ceci. Et là, vous faites pareil. Répéteur. Et redstone. Donc ça c'est fait. Ensuite nous allons placer les dispensers. Donc vous prenez vos dispensers et les escaliers et vous allez placer. Donc vous cassez ce bloc, vous mettez un dispenser. Ensuite vous allez en bas et vous placez un escalier. Faites pareil ici. Ici, bien sûr, vous mettez un bloc, voilà. Vous laissez le bloc, bien sûr. Voilà. Donc vous le cassez pas le bloc ici. Il sert à quelque chose. Donc voilà, on a placé les deux dispensers. On va les placer aussi. Donc pareil de l'autre côté. L'escalier. Donc normalement ils sont placés derrière comme ça on les voit pas. Oui, faudra aussi placer un dispenser en bas. Enfin, en gros vous placez des dispensers en sorte que cette alimentation puisse les activer, donc voilà. Enfin, si vous faites pareil de l'autre côté, bon, évidemment, voilà, hein, vous mettez pareil des dispensers ici. Hop. Ouais, j'ai mal placé mon escalier de l'autre côté. Donc normalement là ils sont cachés les dispensers. Donc là normalement il est censé y en avoir 4. Et là normalement il doit y en avoir un autre en bas comme ça. Donc pas besoin de placer le bloc. Hop. Ensuite vous montez un escalier. Normalement c'est censé faire ceci. Donc 2, un en bas et 2.
Ensuite, donc on va placer les autres, enfin les 5 autres dispensers ici. Donc on va faire pareil. Bon, pas exactement pareil, je vais vous expliquer. Voilà. Pareil, les escaliers, répétition. Donc en bas aussi. Hop, voilà. Ensuite, vous mettez l'escalier, j'ai oublié. Donc normalement, il s'active, hein, les dispensers, si vous entendez. Enfin, oui, vous entendez. Oui, ici, donc là, ça va être un petit changement. Un petit changement technique. Donc vous placez un dispenser ici, également ici. Voilà. Ensuite, vous placez les escaliers. Donc à l'envers. Donc normalement, là, il y en a 5 de dispenser. Donc 1, 2, 3, 4. Donc j'en ai oublié un. Oui, ici. Mettez un bloc avec un dispenser et vous placez l'autre escalier. Donc voilà, c'est très simple. Donc ensuite, vous vous placez ici et ensuite vous mettez les deux derniers pistons ici. Vous placez les blocs. Et cela vous permettra de bloquer le beacon lorsque les lasers vont s'enlever. Donc on va tester. Voilà, ça marche. Et là, vous voyez, ça tire lorsque le truc il est fermé. Donc pour cela, vous essayez de donc de casser cette redstone, hein, voilà, pour couper le courant. Vous rappelez. Et ensuite, vous remettez la redstone. Et normalement, là, c'est censé tirer lorsque c'est les lignes rouges. J'appuie, je passe. Donc voilà. Et ensuite, vous mettez des potions dans les distributeurs. Donc j'espère que vous auriez aimé le petit tutoriel sur la porte avec les lasers. Donc mettez un pouce like, lâchez un commentaire si vous aviez aimé ou... Si vous n'aviez pas aimé, hein, comme vous voulez. Et je vous dis à plus.